Bien le bonjour à vous tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Leaf et je me fais déjà attaquer par le facteur, oui. Alors, il me dit que, évidemment, vu que je joue jamais avec Coréa, ça va pas m'aider dans ma tâche. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est l'Insecto Safari, donc oui, puisque je suis en retard par rapport à la date, parce que là en fait. Je vous réexplique le dilemme, c'est que comme je joue jamais en dehors des vidéos, que j'ai pas forcément le temps ces temps-ci, eh ben, j'arrête pas de remonter le temps en fait pour pas que mes habitants se barrent. Je veux pas que Lico me refasse le même coup. Du coup, là, je suis une semaine en retard, quoi. Ce qui fait que, voilà, je suis le jour de l'Insecto Safari. Super! Donc, je sais pas si je le ferai, si. Je sais pas. Alors, maman? J'ai gagné l'objet 6 juin en participant à une émission de radio l'autre jour. En fait, je visais la croisière. Qu'est-ce que ça va être comme merde encore? Qu'est-ce qu'elle va me ramener? Généralement, les cadeaux de nos mamans, là, dans le jeu, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est? Module de canapé. Bon, ça passe, ça passe, ça passe. J'ai connu pire de ta part, maman, hein? Donc, ici, vous vous rappeliez que c'était l'emplacement où il y avait Rouge Pif, du coup, comme je l'avais dit, hein, j'ai retravaillé un peu le truc. Bon, j'ai juste pas eu le temps d'aller sur le perso de... Comment elle s'appelle? De Topaz. J'ai perdu le nom de mes personnages, c'est génial. Donc j'ai pas eu d'aller sur le perso... Le temps d'aller sur le perso de Topaz, j'y arrivais, punaise. Je viens de me réveiller, ça va pas le faire. Pour, du coup, mettre le motif... Yaliko là-bas, tu m'intéresses mon coco? T'en as attrapé un gros déjà, poupée? Petite coupure. Alors, y a qui dehors? Parce que logiquement, là, vu que c'est l'Insecto Safari, il y aurait du monde. Oui, d'accord, il y a le petit monstre là. Moi, je l'appelle le petit monstre, mais c'est un petit caméléon. Il y a toujours personne au camping, mais c'est pas vrai, c'est la ville de l'ennui ces temps-ci, hein. Bon, j'ai pas mal de trucs à vendre. Les clochettes, je m'en bats les horaires, je vais les foutre là, voilà. Faut que je fasse du vide dans mes poches, là, ça va plus. D'ailleurs, je tiens à préciser, nous sommes évidemment en été et je porte toujours mon petit bonnet. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, tenez, j'ai une petite question à vous poser. Bon, après, ça me prendrait vraiment du temps. Temps pour organiser ça, mais vous le savez déjà. Je voulais vous demander en fait si vous vouliez que je fasse un jeu onirique juste pour cet été, en fait. Enfin, ça durerait pas 2 mois non plus, hein. Mais je sais pas. Généralement, mes jeux oniriques ils durent en moyenne 2 3 semaines. Du coup, je me demandais si ça vous dirait, vu que voilà, il n'y aura pas de thème particulier. Hein. D'habitude, quand je fais des jeux oniriques, c'est pour Noël, pour Pâques, voilà, les trucs comme ça. Du coup, là, je me suis dit, je n'ai pas trop d'inspiration. Du coup, voilà, c'est la question que je vous pose maintenant tout de suite. Est-ce que vous voudriez un jeu onirique? Voilà. évidemment, je vous fais participer aux vidéos, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc. Il faut que... Ah oui, mon filet, parce que sinon j'ai pas envie qu'il me refile, hein. Alors, canne à pêche. Oui, c'est le gros bordel dans mes poches, je le conçois. Voilà, mon filet. Super. Bon, je vais pouvoir filer à la place de la ville. Je sais plus comment il s'appelle, le caméléon, justement. C'est pas un truc en ode, je sais plus, Jarod, un truc... au passage, je parle à Pierrot. Alors, t'as déjà essayé de prendre les insectes par surprise, tout est dans la discrétion, il faut marcher sur la pointe des pieds et surtout se taire, allez. Bon, en gros, ça veut dire ferme ta gueule, c'est ça? Je rigole! Mais il serait capable de me le dire en plus, hein. C'est ça le pire. Jordi, tu la fermes, tu m'énerves. Alors, la petite tante et lui, voilà. Jarod! Eh ben voilà, j'étais pas loin! Pourtant, je lui parle jamais à ce pauvre. Ce pauvre petit. Alors, l'attente a été atroce et j'ai bien failli faire une crise de nerfs, mais leur hache est enfin arrivée. Dis-moi, connais-tu déjà les règles du concours? Je connais les règles, j'ai pas besoin de ton discours là, merci. À toi de jouer maintenant. Capture de juteux insectes et amène-les-moi prestement. Ok. Ok, mais c'était tout en fait. Donc en fait,
Je pars du principe que moi, je fais jamais, disons, l'insecto-safari dans ma vie, parce que comme vous le voyez, c'est assez compliqué en fait de choper des insectes. J'en vois très 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 peu, parce que ben voilà, il n'y a pas forcément l'espace pour qu'ils viennent, que les, par exemple, que les abeilles ou les papillons viennent butiner un petit peu, ou les scorpions et les tarentules, j'en ai jamais croisé en 3 ans de jeu. Donc c'est un petit peu dur en fait de compléter ma collection. Ma collection d'insectes, pour ça que je ne fais jamais. Mais au pire, je pourrais essayer ça sur l'île, hein, mais j'ai peur en fait que ce soit pas les mêmes insectes qu'en ville. Faudrait que je me renseigne. Parce que logiquement, sur l'île, vous avez les scarabées, les trucs comme ça, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait des papillons. Bah Miro, je t'ai pas parlé, mon petit. Quelle compétition acharnée, la fièvre de l'insecto safari a gagné Animaya, Momo. Ouais, Momo. Alors Momo, il galère là. Je vois pas un seul papillon, c'est grave là. Oh, bah il y a un petit trou. Bon, et bah adieu l'insecte safari. Ah si, il y a un papillon là-haut. Bon, ok. Ça fera pas l'affaire, je pense. Bah, j'ai bien fait de pas plonger dedans. Hein. Mon Dieu. Bon, la fleur, je m'en fous. Un papillon. Un papillon, un papillon. Non, ne t'en va pas, mon ami! Voilà. Le truc qui est pénible, en fait, c'est qu'à chaque fois que j'attrape un papillon, bah, ça me détruit une fleur. Enfin, ça me détruit ça. Ça abîme une fleur. Qui, au final, va être détruite. J'ai vu un papillon ici tout à l'heure. T'es déjà parti? Oh, ils sont rapides, hein? Bon, panneau d'affichage, parce que ça me stresse de voir ce petit piou là. Alors, insecto safari, un roi. On a le triomphe, j'ai déjà. Poupée, écran mural. Bon, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Ah si, il y a la fête des mères. C'était tout. Le seul truc digne d'être marqué sur ce tableau. Je ne vois aucun insecte. Alors, je vous préviens, vous risquez de vous endormir légèrement dans cette vidéo. Vu qu'il va rien se passer d'extraordinaire, voilà. D'ailleurs, je suis entouré de vert. Hein. Le mec est vert, la tente est verte, l'herbe est verte. Bon, bah, logique, hein. Alors, bien sûr, j'ai un insecte. Brocagna. Dis-moi que je remporte au moins quelque chose. C'est ultra rare, c'est formidable. Me laisserais-tu examiner cet insecte pour toi? Échange de quoi? Ok, bah, vas-y. Alors. J'ai rarement vu un brocagna aussi riquiqui. Oh non! Non! Il est sérieux? Non, mais j'ai attrapé de la merde en fait! Mérite combien? Combien? 63 points? Ouais! Bah, même avec un truc de merde, je bats le premier. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que je gagne? Un canapé rayure? Oh non, mais c'est nul ça! Pourquoi j'ai pas. Ok, 80 points. Ok, bah merci. En fait, je crois que j'ai pas assez de points du coup pour avoir un truc de l'insecto safari. Il faut que je trouve plus gros. Oh, ça va être chiant là. Pardon, mais. Oh là là. Je galère déjà pour avoir un papillon alors là. Il y a un truc là. Mais c'est quoi? C'est un escargot? C'est un escargot! Il est trop mignon! Voilà! Non, c'est une coccinelle. J'ai cru que c'était un escargot. Autant pour moi. Oh, une petite abeille. Maya est parmi nous. Tout le monde a déjà fait la vanne, c'est génial. Ok, bon, bah ça va pas me rapporter des points, mais au moins j'en ai. Ensuite. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Apparemment, non. Y a rien sur la plage, hein. Y a pas d'insectes sur la plage, c'est mort. Je m'ennuie. C'est la mort. Faudrait des fois que j'écrive des parodies, des chansons. Je les ferais chanter à Kem. C'est une idée comme une autre. Papillon! Papillon! Non, Il va avoir ma peau celui-là. Un macaron. Ok.
Bon, il peut peut-être. Oh, bah tiens, salut toi. Oh, il m'a l'air gros lui. Ouais, il est plus gros. Alors attendez, je vais déjà filer le macaron. Ou machaon, ça dépend comment vous le prononcez. Moi, je dis macaron. À ne pas confondre avec le macaron. Lol. Bon. Un autre jeune entomologiste de retour. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Alors, j'avais dit, non, pas l'abeille, le machaon macaon. File-moi du blé, vas-y. C'est formidable. Oui, vas-y. Inspecte. Ne me demande pas mon accord si je te le donne, c'est qu'il faut inspecter. Alors, bien, évaluons la couleur. Mais il y en a jamais un qui va être bien ou comment ça se passe? Combien? C'est tout. C'est tout. En fait, il compte pas la taille, il compte le. Attendez. Attendez. Je me rappelle même plus les. Bon, attendez. On va voir avec un autre. Je vais essayer, tiens, avec l'abeille. On va voir ce que ça donne. Parce que si jamais il compte pas sur la taille, ça veut dire qu'il compte sur la rareté ou. Comment ça se passe là? Alors, examine. Examine, vas-y. Alors. Oh non, mais ça. Mais c'est pas possible! Allez, 3 points! Non, 20 points! Bon, apparemment, oui, il compte quand même un petit peu sur la taille. Donc, je lui filais le gros papillon, là. Il compte quand même un peu sur la taille, ouais, je pense. Vas-y, regardons ça. Alors, j'ai dit Papilio Bianor. Jamais eu ce truc. Bon, j'ai dû l'attraper, hein, logiquement, mais. Je m'en rappelais pas. Ah, vas-y, vas-y. Mais il est pénible. En plus, il louche, ça me stresse. Ok, la couleur. Ouais, oh yes. Enfin, ça mérite d'être screené là. Pour le coup, au bout de trois essais. Combien? Non, mais c'est sérieux, à 2 points du truc? Non, il peut pas me faire ça. Je me suis battue moi-même, mais il pouvait pas me rajouter 2 points pour que j'ai le meuble insecto? Non! Il est sérieux? Oh, comment je te méprise, mon gars! Oh non! C'est du foutage de gueule, là, pour le coup. Il veut tellement pas me donner le meuble, le truc. Oh non! Mais c'est pas sérieux, là. Comment j'ai la rage? 78, s'il vous plaît! Dites-moi d'ailleurs, hein, si de votre côté vous réussissez le délire, parce que je me sente pas seule. Oh, Dieu. Bon, il n'y a pas un papillon quand même assez mastoc là? Genre un ornithotosphère là, ou je sais plus comment ça s'appelle? Parce que du coup, les autres années, généralement quand je vais chez des abonnés, vu que je peux pas chasser les insectes dans ma ville, ben je chasse chez eux. C'est compliqué à dire. Ouh, je chasse chez eux. Ce qui fait que j'ai quand même un bon stock de papillons, tout ça, et je peux un petit peu tricher pour l'insecto safari, voilà. Je pense qu'on l'a tous fait, hein. Mais bon. Il me faut juste en fait un papillon, je m'en fous de la rareté du truc. Juste quand même un truc assez gros. J'ai l'impression que là, il y en avait des papillons. J'en ai attrapé deux ici, donc j'ose espérer qu'il en reste. C'est pas la fête chez moi. Hein. Bah, ils veulent pas venir. Oh, mes petits, s'il vous plaît. Les joies d'Animalia, voilà. Vous n'avez pas d'insectes. Bon, au moins, vous avez pas de problème. Hein. Niveau moustique, bon, par contre, ça, c'est autre chose. Quoi? J'ai cru voir un truc. Sauterelle! Non, mais j'étais dessus! T'es sérieuse? Alors. Ouais, on va dire que c'est une sauterelle, hein. Merde! Je sais pas si ça fera l'affaire face à un papillon plus gros. Alors. Là, y a rien. Bon, y a un tout petit papillon, mais. Pff, non. Ça suffira pas.
petit papillon en or là, je trouve ça trop mignon. Ah, bah, il y en a un autre ici. C'est bien, hein, vous apparaissez quand je veux pas. Laissez la place au gros, s'il vous plaît. Et là, je vous imagine derrière votre téléphone ou votre ordinateur en train d'essayer de repérer un petit papillon avec moi. Jouons ensemble. C'est pas Dora l'exploratrice, c'est Jordi là pour le coup. Trouve un papillon. Appelle-moi quand tu en as un. Mais c'est pas possible, je vous dis, c'est la mort là. Y a rien. J'ai cru voir. Oui. Yes. Alors ça. Ah bah c'est encore le même. Ah bah il est moins gros. Donc ça va pas faire l'affaire non plus. L'autre je crois il était à 135. Là il est à 128. Non non non. Il m'en faut un au moins à 140. Ce qui va être dur à choper quand même. De ce côté-là, on ne sait pas, ça se trouve, il y a quelque chose. Nope. Rien. Oh là là, comment je galère. Il n'y en a même pas sur les arbres, quoi. C'est fou, 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 fou. Ah, bonjour, toi. Non, 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 viens, 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 viens. Il y a encore un. 127, ça fera pas l'affaire non plus. Il est encore plus petit, quoi. Mais il me faudrait vraiment un papillon quand même beaucoup, beaucoup plus gros. Puis un truc bien coloré, quoi. Coucou Miro, venez pas me parler aujourd'hui. Je fais le tour de la rivière comme si c'était de la pêche, mais non. Des fois que... Parce que je crois hein, que c'est les libellules qui restent quand même souvent au bord de l'eau. Du coup, je me dis peut-être qu'il y en aurait une qui se dira « Bah vas-y, je vais me laisser attraper par Jordi et me faire bouffer par un caméléon, ça peut être bien. Finir ma vie comme ça. » Il y a vraiment rien, 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 rien. Je rage intérieurement. Tout ça pour deux petits points de crotte. Bon, les poissons, ça manque pas. Hein. Oh non, Nico, mais dégage, hein, laisse-moi passer. Je suis pas d'humeur, là, wesh. Ah, il y avait un petit bidule là. Ouais, les bidules. Non, 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 te casse pas. Oh non, reviens s'il te plaît. Oh non. Bon, des fois qu'elle revienne ici, parce que le temps que j'aille de l'autre côté. Non, rien. Bon, eh ben, je file de l'autre côté. T'as gagné. Oh non, Lico. Oh non, s'il te plaît, dégage, 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 dégage. Je suis pressée, je suis pressée. Allez, dégagez. Libellule, libellule. Où es-tu? Non, je l'ai perdu. Oh non, mais c'est une blague. C'est une petite blagounette, une caméra cachée, c'est ça, hein? Ça se trouve, elle est repartie de l'autre côté. Je vous jure, quoi. Oh, est-ce que t'es là? Eh ben non. Mais je l'ai vraiment perdu, quoi. Pour une fois que j'avais une libellule. Non. Je n'abandonne pas. Je vais retrouver cette libellule coûte que coûte. Et je vais l'attraper. Je ne vais pas m'avouer vaincue comme ça, moi. Une libellule, c'est tellement rare dans ma ville que... Toi, je m'en fous, mais je te prends quand même. Allez, 140, 132, non, toujours pas. Non, mais sérieux, petite libellule, montre-toi. Oh, j'ai la rage. J'étais à deux doigts de la voir quand même, hein, quand on y pense. Bon, je vais garder ma technique de rester au bord de la rivière. Si jamais je peux en recroiser une autre. C'est pas trop mal. Ah, il y a une sorte de... Je crois que c'est un patineur ou je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Oh, les gens! Bon, je dois avouer que là, j'ai perdu un petit peu...
un petit peu le concours. J'ai ratiboisé toute la ville en espérant choper une libellule ou quoi. Au final, je suis abandonnée comme une merde, voilà. Donc, je pense que cette année, l'insecto-safari ne sera pas encore pour moi. Voilà. Donc, peut-être hein, si je vais faire ça chez des abonnés, peut-être que ça marcherait, je sais pas. Je verrai ça, mais honnêtement, dans ma ville, je pense que c'est un petit peu mort hein, pour ce genre de choses. La pêche encore, il n'y a pas de souci, mais les insectes, non. Du coup, je vais vous laisser ici. Je pense que voilà, ça fait un petit peu, on va dire, du bien, disons, que je change un petit peu de concept. Hein. Là, c'est une petite vidéo Insecto Safari. Du coup, comme je crois que je l'avais jamais fait en plus, non, il me semble pas. Ou alors, si j'ai dû le faire une fois, hein, mais Insecto Safari, généralement, je le fais pas souvent. Donc voilà, ça fait un petit peu de changement, c'est pas plus mal. Mais ça reste quand même un petit let's play. Voilà. Donc écoutez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. C'est son défaut.